Bonjour à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est jeudi 27 août. J'ai pris ma douche et puis là, il me reste plus qu'à me préparer. Les filles sont en train de se préparer. Et donc, aujourd'hui, ça va être une journée vlog normale, quoi. Je sais pas si je vais pas la... Ça va dépendre du contenu, mais je sais pas si je vais pas la faire durer sur plusieurs jours. Si c'est ça, je vous mettrai des petites annotations... sur les jours, ou alors ce sera 15 jours, je sais pas encore. Voilà. Ouais, j'ai rien fait à mes cheveux encore. Je sais pas si je vais me maquiller. Je me suis juste lavée, habillée. Petite jean, petit haut. Et puis voilà. Faites pas attention, on voit la piscine. Il faut qu'on la nettoie et qu'on la range. Oui, les petites sont en train de se préparer. Et puis cet après-midi, on va aller faire un tour au parc parce qu'il fait beau. On va en profiter. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, là j'ai un peu de rangement et ménage à faire dans la maison avant de préparer à manger pour ce midi. Et puis après c'est tout. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, c'est vrai. C'est comme jusqu'à maintenant dans mes vidéos, là j'ai fait que des hauls. Ouais, j'avais fait que des hauls. Du coup, je ne vous ai pas montré. Alors, vous voyez le bazar derrière. Hein. Là-bas, là-bas. Du coup, je ne vous ai pas montré la petite nouvelle. Donc, la nouvelle arrivante dans la maison. Je vais essayer de tourner. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Elle est là, elle est cachée. Je vous la montrerai mieux tout à l'heure. Ça y est, maman. Ça y est, vous êtes prête? Oui, ça y est. Bonjour. Je veux voir. Attends, je te passe après. Tu dis bonjour. Bonjour. Ah, elle est là, Pépette. Elle est là, Pépette. Voilà. Bonjour, donc, c'est la petite nouvelle qu'on a trois chiens maintenant. Ouais, mais c'est où? C'est du travail, mais bon, surtout là, le fait qu'elle soit ouais, ça, c'était dans une vidéo. Surtout, surtout là, le fait qu'elle soit. Maman, t'es pas petite, quoi, parce qu'elle est encore propre. Mais c'est une petite femelle ici derrière. Ouais. Et sinon on a attendez. Maman, t'es pas et sinon on a un croisé. J'ai du mal à prononcer. Et que des Pablo croisé. Ah non, maman, pas Staffy. Staffy, mon chat. Un croisé Staffy et un croisé Labrador. Mais c'est deux mâles et puis maman, la femelle. Mais voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, on se retrouve un peu dehors. Bon, en fait, niveau coiffure, voilà, c'est comme d'hab. À chaque fois, je dis que je vais faire des choses travaillées, mais pas du tout. J'ai juste, hop, pris mes cheveux, fait un chignon et voilà. J'en profite d'être un peu dehors, il fait beau. Ça fait du bien. Parce que là, c'est vrai qu'on avait une forte canicule. Après, je pense qu'on avait tous marre. En fait, il faisait trop chaud, on n'était pas bien. Et après, on a eu une semaine, voire deux semaines de pluie, mais comme il faut. Et là, du coup, un peu de soleil, ça fait du bien. Puis on peut remettre à jour un peu le terrain et tout. J'ai pondu cette semaine, il faut que je fasse toute partie parce que... Non, il veut jouer. Il faut que je fasse... Ah, t'es là. Il faut que je fasse toute partie parce que, comme ça, un grand terrain, on fait un effort. Donc voilà. J'ai shooté dans la gamelle d'eau. Et puis là, les petites, elles sont en train de jouer un petit peu tant que je change la maison. Le matin, on remet à jour un peu hop, un peu la maison pour dire de repartir sur une bonne base. Donc voilà, après je vous montrerai d'autres choses s'il y a des choses un peu plus intéressantes dans la journée. Sinon sinon je vous dis je fais en plusieurs fois, en plusieurs jours du moins, pour qu'il y ait plus de contenu et que ce soit un minimum intéressant. Alors, pour ce qui est des repas, donc Louisa, c'est un croque-monsieur avec jambon, fromage, hein. Des concombres à la crème. Et puis Anna, c'est un restant de pâte avec du jambon, tout simplement parce qu'elle n'est pas trop croque-monsieur. Donc voilà, il reste des pâtes et elle aime ça. Donc voilà, il faut que je mette encore leur verre et puis après, moi, je vais me servir aussi. Et pour moi, du coup, c'est un restant d'hachis parmentier. Voilà, bon, je m'en vais pas de la mettre dans une assiette hein, quand c'est comme ça, je laisse dans le
dans le tupperware, c'est pas trop grave. Mais voilà, c'est à finir. Donc, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, Anna. Vous avez le petit bruit là de la paille. Bon appétit, mon chat. Bon appétit. Et du coup, je mets dans une... J'avais acheté ça à Action. C'est super pratique. Parce que, enfin, moi, ça me gêne pas perso de boire de l'eau du robinet. Donc, après, j'achète des bouteilles, hein, mais de temps en temps, enfin, quand j'ai la flemme, clairement, de sortir une bouteille, bah, je mets de l'eau du robinet avec un peu de sirop. Et je mets ça à table. Voilà. Pablo, tu descends. Tu descends. Bon, du coup, Louisa a reçu son petit courrier. Elle a eu un petit courrier ce matin, donc on va voir. Je pense que c'est une invitation, juste comme ça. Et ensuite, ça, donc c'est ce qu'on a. Fais voir mon cœur. C'est ce qu'on a. Je ne montrerai pas derrière avec l'adresse, mais c'est ce qu'on a commandé par rapport à sa console, en fait. Parce que ces petites manettes-là, elles sont cassées quand elle veut jouer, par exemple, puisqu'on lui a acheté... le jeu Animal Crossing, et du coup, quand elle veut jouer au niveau de là, ça tombe pas. Donc, on lui a racheté des manettes. Waouh! Du coup, voilà, Louisa, elle a reçu ses petites. Donc, en fait, là, non, c'était pas une invitation, c'est juste. J'avais zappé quand on était en vacances, en fait. Et que du coup, c'est une petite copine qui lui a envoyé une carte de là où elle est, quoi. Donc, c'est super sympa. Et donc là, ces petites manettes là qu'on va remplacer puisque elles fonctionnent qu'à moitié. Donc, qu'on a commandé sur Amazon. Donc pour les deux manettes, j'en ai eu pour en ayant Prime hein, parce que j'ai commandé, je les ai eu reçues au bout de 2 jours. J'en ai eu pour 32 €. Donc ça va, c'est raisonnable. Mais elles sont cassées dans le sens où elle les fait tomber. Donc voilà. On les fera pas tomber là ? Non. Hein ? T'as mis du carton par terre parce que mademoiselle, regarde. Ouais. Elle est en train de manger le carton. Mona. Ah oui, elle s'appelle Mona. Je vous ai pas dit tout à l'heure. Mona. Bébé. Maman, tu peux me dire. Regarde, c'est pas les mêmes. Bon, j'ouvre ça et puis je vous montre après une fois mise. Donc voilà. Alors du coup, elles sont beaucoup plus larges. Hein. Plus larges, plus grosses. Vous voyez là, par rapport à celle-là. Attends mon chat, je vais te montrer après. Vous voyez, celle-là, elle est plus fine que maman. Maman, on peut même pas plier. Ouais, elle est plus fine, hein. Regarde, on peut même pas. Même ici, au niveau de la... par rapport à là. On peut même pas plier. Attends. Donc là, je suis dans la chambre de Anna. Attends mon chat. Et du coup, je vais plier une... pas plier, mais ranger une panière de linge. Là, elle en vaut deux. Hein. J'ai accumulé un petit peu. Non, mais je vais ranger... Arrête, Louisa. Je vais ranger une panière de linge. Et puis ensuite, je vais faire le truc quotidien. Faire les livres. Faire un peu de rangement en haut. Monter dans mon lit, et puis voilà. En fait, je suis en train d'apercevoir en rangeant les vêtements que j'ai fait le tri. Et puis le tri et le rangement dans les armoires des filles. Mais il faut vraiment que je m'occupe de la mienne. Parce que là, c'est le bazar. C'est le hasard et il y a plein de choses qui me plu. Donc, pourtant, je le fais régulièrement, mais j'ai l'impression de toujours le faire. Et sinon, je voulais vous montrer aussi. Donc ça, c'est la tenue. Je la mets de côté pour l'instant parce qu'il faut que je la lave. Que je la repasse pour... je l'installe. Et que je la lave et que je la repasse pour l'école. Donc ce sera la tenue de rentrée à Anna. Et donc celle-là, elle vient de Little Cigogne. Alors attendez, je vais faire le téléphone. Elle vient de Little Cigogne. Donc c'est une petite jupe. Celle que j'ai sélectionnée pour la rentrée, elle est super mignonne. Ah là, vous voyez bien dans le jour. C'est mieux que mon haul. Donc, c'est du 4 ans. Vous voyez, il y a encore l'étiquette, mais je vais la mettre de côté. Il faut que je la lave. Et donc, celle-là, elle la mettra pour la rentrée. Petite jupe comme ça. Elle fait un peu grande à la taille, mais une fois resserrée, c'est nickel. Les cordons, là, ils sont bien pour resserrer. Et oui. Regarde ce que tu as trouvé dans ma chambre. Des clés de voiture. Non, c'est des clés de garage. Mais ça fait quoi dans ma chambre? Je sais pas. Remets-les, je les prendrai après. Okay. C'est pas grave, laisse. Ou mets ça dans la pièce là à côté. La pièce verte là, tu mets sur le petit meuble blanc. Ouais. Et pour aller avec, un petit t-shirt bleu marine comme ça qui ressort bien avec la jupe du coup. Avec un petit col Claudine. Donc pareil, tout ça, ça vient de Little Cigogne. Donc la marque Eden et Victor, j'adore cette marque, ils ont toujours des belles choses. Là vous voyez, ça fait un petit aspect de jean.
Donc ça sera la petite tenue de rentrée à Anna. J'ai pas fait son lit encore. Donc il manquera plus que les chaussures. Et puis après, bah, la petite veste. Il m'avait mis, mais j'ai renvoyé parce que dans sa box à elle, il m'avait mis une veste en jean. Mais elle en a plein des vestes en jean. Donc c'est pas la peine. Et je pense que ouais, je mettrai qu'une veste en jean. Et puis. Et puis des petites ballerines. Et puis voilà, ça passera très bien. Donc, je vais poser là sur le noir. Habituellement, je lave pas forcément. Je lave pas forcément mes vêtements quand je les reçois, enfin quand je les fais. Mais là, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de chance pour que les vêtements ont été reçus chez quelqu'un et que ça n'a pas plu et que ça a été envoyé. Donc, ça a dû être essayé. Donc, voilà pourquoi, je vais laver. Je vais laver avant de. Moi, on va à l'école là. Avant de mettre. Et puis, attends mon chat, je le montre. Attends, je le montre. Le petit sac de Anna pour la rentrée. C'est ta caroulette. Ça, Dada. Donc, voilà, elle a son petit sac. La roulette, elle était toute contente. Attends mon chat, elle aurait pu récupérer son sac de l'année dernière parce que t'es pas venue, mais elle l'avait déjà récupéré. Je passe pas et puis, bah, tant qu'on y est, attends qu'on vous présente des choses, je vais vous montrer aussi. Et celui-là, moi. Hop, le petit cadre, attends. Le petit cadre que j'ai eu de. Nous, Dada, de chaque son. Alors, soit vous l'accrochez, soit vous posez. Nous, on le pose. Soit plus pratique. Et en fait, là, vous avez un petit bouton. Hop, il s'allume. Elle est dans le noir, c'est super mignon. Ouais, et voilà. J'ai acheté ça pour 1€ et quelques. Bon, bah, Lisa, elle va vous présenter le reste. Voilà, et ma poubelle reine des neiges. Vous pouvez pareil, Axon. Et moi. Elle est belle, hein. Ma poubelle. Et après, regardez. Les sacs, c'est Stokomani, hein. C'est pas Axon. Les sacs licorne. Sacs licorne. Bon, regardez ma poubelle. Avec des nuages. C'est du n'importe quoi, ce vlog. Et Anna, donc, elle a ouais, une poubelle princesse. Et donc, Louisa, c'est un sac comme ça. Licorne à roulette. Louisa rentre au CP et Anna en petite section. Parce qu'elle était en toute petite section. Donc voilà, en roulette. Avec le petit truc là, Stokomani. Super mignon. Et il y a toutes ses affaires du coup dedans. Tu les ranges ? Maman, j'ai tout rangé. J'ai tout rangé mes habits. Bon bah voilà. Ça ressemble un peu plus à quelque chose. Donc le lit est fait. Voilà, là-bas on a. Je sais pas si pour les personnes qui regardaient mes vidéos avant, là on a changé le système de comment dire, bah pour cacher en fait. Maintenant on a mis des stores beige, ils sont comme ça. Hop. Parce qu'on avait un grand rideau mais ça allait pas, il tenait pas là-bas. C'était un peu la cata, donc du coup on a mis des stores comme ça et c'est beaucoup mieux, plus pratique. Voilà, donc bah, la chambre c'est ok. Hein. Celle-ci, en tout cas, elle est. Bon, après, voilà, il y a des clés à faire. Hein. C'est pas trop grave. Elle est là, sa petite poubelle. Donc là, on est au cahier de vacances pour Louisa. Anna, elle regarde un petit peu mon téléphone. Donc, on fait des petits exercices. On essaie de faire un peu tous les jours. Voilà, voilà. Et une partie de Uno pour nous. Anna, elle dessine. En direction du parc. Donc il fait beau, un peu de soleil, un peu de vent. Très bien. Tant qu'à faire, on ramène le goûter au parc. Et donc là, bon bah, elles sont parties jouer. J'ai une amie qui va nous rejoindre, donc je filmerai pas à ce moment-là, mais je filme avant. Oui. Dans ma tête. Bon, bah, il y a un peu de vent quand même. Hein. Ouais, les grands. Bon, alors là, du coup, je mets encore mes lunettes de soleil.
On est rentré du parc et là je donne la douche à Anna, donc là elle est en train de se laver. Et puis voilà quoi. Il a fait beau et d'un coup il a plu, donc on a dû rentrer rapidement. J'ai la copine avec qui j'étais qui est venue boire un café. Et puis ils sont partis, donc là Anna est en train de se laver. J'ai une tête monstrueuse aujourd'hui. Ça arrive de partout. Et du coup j'en profite pour nettoyer le coin lavabo, tout ça, quand Anna est dans la douche. Et puis après, j'ai passé un coup vite fait dans la douche. Ensuite c'est Guisa qui se lavera, puis après on préparera le repas de ce soir.